Prince LGD. Le prince LGD. Prince LGD. Prince LGD. Le prince LGD. Prince LGD. Dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu boites, ton bon passe avant ding, ding, ding. C'est honteux. Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'avez-vous déjà vu. Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'un jeu vidéo. Mais d'abord, je vous laisse avec la voix. Avant tout, un peu d'histoire. Nous allons parler de Léonard de Vinci. Alors Léonard de Vinci, ce n'est pas lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui non plus. Bien que lui ait une certaine similitude. Non. Léonard de Vinci, c'est lui. Ce jeune homme, de type vieux, possède une maison en Italie. Une maison pleine d'énigmes et de mystères. Une maison appelée The House of Da Vinci. The House of Da Vinci est un jeu d'énigmes-aventure sorti fin 2017, développé par Blue Brain Games. D'après la plateforme Steam, il se serait vendu entre 100 et 200 000 exemplaires seulement. Et bien sûr, tout cela c'est sans compter les téléchargements illégaux effectués par des bandits de grand chemin. Pirates ! Venez résoudre des casse-têtes mécaniques, découvrez des objets cachés, allez de pièce en pièce et découvrez tous les mystères que cache Léonard de Vinci. Les casse-têtes sont vraiment ingénieux et assez complexes pour vous donner du fil à retordre, mais pas au point de vous rebuter non plus. Graphiquement, je le trouve personnellement vraiment agréable, même si ce n'est pas ce que l'on demande en premier lieu à un puzzle game comme celui-ci. Pour ma part, le plaisir réside dans les animations et les bruits que l'on entend à chaque résolution d'énigme, tous ces petits cliquetis et autres sons de rouages qui se dénouent. L'histoire, certes basique, est assez bien amenée grâce aux différentes lettres que vous pourrez trouver un peu partout dans la maison. Il est très facile de faire l'analogie avec un titre sorti quelques années plus tôt, tant ces deux titres sont quasi identiques. En effet, The Room, bien plus connu du grand public, a connu lui un succès phénoménal. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas voulu parler de lui aujourd'hui. Je vois plus The House of Da Vinci comme le petit frère spirituel de The Room. Un deuxième jeu de la franchise est d'ailleurs sorti en 2019, une suite tout aussi bonne, mais néanmoins un peu plus complexe je trouve. Ayant une durée de vie entre 5 à 10 heures, selon votre logique, si vous êtes un amateur d'énigmes, en tout genre, je ne peux que vous conseiller d'essayer ce titre, vous ne le regretterez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer à ce titre. Moi, je vous laisse avec l'indice de la semaine prochaine. Ciao.